des étoiles suspendues. Et en fait, c'est à partir de cette étoile-ci que dans un deuxième temps, on va réaliser cette étoile-là. Donc voilà, pour ce faire, vous imprimez sur le site votre gabarit de découpe de l'étoile et on va réaliser soi-même un gabarit. Donc vous découpez votre étoile pour obtenir ceci. On choisit un papier. C'est impératif dans le cas de l'étoile d'avoir un papier à double face. Car on va jouer avec les deux faces de notre papier. Donc voilà, vous choisissez votre papier, vous prenez un crayon et vous tracez le contour de votre étoile sur le papier choisi. Vous rabattez les côtés extérieurs de chaque branche de l'étoile et vous retracez sans le rabat l'intérieur de chaque branche. Et voilà. Ensuite, on va donc découper notre étoile. Il est impératif que le bord de nos étoiles soit un bout coupé droit et non en pointe pour avoir une meilleure finition. Comme les bords vont être rabattus vers l'intérieur, si le bout de nos étoiles se terminerait en pointe, on n'aurait pas un effet très précis et très... Voilà. On va encore couper juste les petites arêtes centrales pour ensuite on prend chaque branche et on plie la zone qu'on a tracée au crayon vers l'intérieur. Comme ceci. Pour que ça tienne bien, une pointe de colle. Le pistolet à colle est idéal car instantanément ma branche est collée. Vous pouvez prendre un petit crayon, l'insérer dedans pour lui donner un petit. Alors la dernière, avant de la coller, on va insérer un fil afin de la suspendre plus facilement. Donc voilà, je vais mettre une petite pointe de colle. Je positionne le fil dedans. Et puis je rabats. Et voilà. Notre première étoile à suspendre est terminé. Cette étoile-ci, en fait, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de ne pas coller ce fil à cet endroit-là, de trouver son point central, tracer un tout petit point au crayon, vous prenez une aiguille, et vous percez un petit trou à cet endroit-là.